Et bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Castle Story, toujours en multi avec Katox. Salut Katox! Salut! Et on se fait attaquer. Et donc, oui, donc on reprend un peu à l'arrache après notre déconnexion là, et on se prenait une attaque. Ok, donc on va appeler tout le monde aux armes, les gars. Les gars, vous bougez. Courez, les gars. Allez, on a encore des gens là qui se pointent, on voit que dalle ici. Alors attends, comment ça se passe? Ok, il y en a qui sont là en train de taper sur des trucs, très très bien. Ah merde, il y a des gens ici. Ok, donc on va gérer ça en speed. Il reste un péon qui est bloqué là. Les gars, mais qu'est-ce que vous foutez? Je ne sais pas. Attaquez-le, peut-être? Non, ça vous va pas. Ok, très bien. Retourne au travail. Pourquoi il tire encore? Il reste un truc? Il n'y a plus personne là. Qu'est-ce qu'il dit encore? Non, j'ai cru entendre mes tours tirer, mais elles ont fumé la moquette, visiblement. Ok, bon, bah ça c'est fait. Alors du coup, le petit point. Donc normalement, on accueille parmi nous Cosinus, qui est ici, Cosinus l'arbalétrier du jour, qui nous a rejoint. Et bah on va essayer tout simplement de moins crever, histoire d'avoir des gens qui arrivent, et comme ça on pourra les renommer, parce que pour l'instant on dépense toute notre énergie à ressusciter nos morts, ce qui est un peu triste. Bon, faut absolument qu'on finisse ce mur avant la prochaine vague. Par contre, là, il va être temps de se bouger un peu. Comment dire ça poliment. Les Bouger le argousins, fondement. ça marche? Le Ouais, fondement. le fondement, ça marche aussi. Hein. Normalement, là, ils sont à fond pour construire. Bâtir, ouais, c'est quoi cette tâche de bâtissage là? Il y a quoi dans cette tâche? Ouais, j'ai une tâche bâtir, je sais même pas ce qu'il y a dedans. C'est pas grave. Parfois il n'y a rien, il la laisse juste en suspens. Ah si, il y a la porte. C'est une tâche où il y a juste la porte. Très très bien. Voilà, fais donc la porte, mec qui fait la porte. Ok, alors du coup, pendant que je fais mon mur ridicule, que toi tu renforces tout le reste de la map. Comment ça se passe? Est-ce qu'on a du bois? Ah, ça commence doucement avec la dèche de bois. Hein. On va relancer une petite fabrication de planches. Il me semblait qu'il y avait des bûches ici, mais en fait, visiblement, il n'y en a plus des masses. On va remettre une petite tâche de coupage d'arbres. En avant les gars. Bon, heureusement on a des planches quand même, ça c'est cool. Il faut toujours un petit peu. Ça y est, on a une porte, on va pouvoir commencer à foutre des balises. Alors, des balises. Normalement, je peux en poser une, voilà. Ici, c'est parfait. Si on pouvait la mettre par là, ce serait nickel. Nickel, donc ensuite on fait pouf pouf. Hop, on va poser ça comme ça, on va foutre des balises de guérison. Genre en dessous là, ce sera très bien. On va poser une petite lanterne. Peut-être pas au milieu. Parce que si on veut poser une catapulte qui fonctionnera peut-être, ça va foutre la merde. On va la mettre là. Allez, c'est parti! Ah, tu retentes une catapulte? Non, non, je retente pas une catapulte, mais comme j'ai une grande plateforme, peut-être qu'à terme on pourra mettre une catapulte, quoi. Si on comprend comment ça fonctionne. Voilà, si vous comprenez comment ça fonctionne. Après, les détails, tout de suite. Voilà, quoi.
Oh, c'est bon, la récolte. On a ce qu'il faut, arrêtez-vous. Arrêtez-vous et construisez-moi ce putain de mur, quoi. Sérieux. Bon, vous pouvez continuer de couper, par contre. Ça, je veux bien qu'il y ait un mec qui coupe des planches. Je peux l'accepter, ça va. Ouais. Oui. J'ai pas fait beaucoup de d'arches, moi, de mon côté, mais c'est pas grave. Là, tu les sors d'où, tous tes trucs de tir, quoi. Ah, C'est ouf. bah... Moi, je galère à les faire tellement. Bah, regarde le nombre de carrières qui sont presque terminées chez moi. J'ai forêt à travers tout. Ah oui, effectivement. Je vois. C'est vrai que ça joue. C'est vrai que moi je pense pas les mettre en plus profond les carrières. J'aurais pensé les mettre plus profond. Moi je le mets vraiment au maximum. Et quand j'ai trop de cailloux, j'enlève la récolte de cailloux et il récolte que du fer et de la et du soufre. Donc, Ouais, non, c'est pas con. Ce qui te permet de faire toutes ces tourelles. Sinon, c'est vrai que tu galères un peu. Comment tu fais pour gérer la profondeur, Nico? Ah, tu vas prendre ta. Allez. Tu dois jouer un petit peu et à un moment, tu arrives vraiment à choper la plaque du fond et la tirer vers le bas. Peut-être changer un peu l'angle de vue parfois. Ouais, je suis en train d'essayer là. Je crois que je les ai fait creuser trop profond là. Oui, il faut faire gaffe. Ils vont tomber. Qu'ils creusent pas. Voilà. En plus, ils sont bien foutus de tomber ces cons là. Oui, alors j'ai jamais testé, mais dans l'early alpha, si tu creusais jusqu'à ce qu'ils tombent, bah, ils tombaient. T'as l'air un petit peu stupide. Tu m'étonnes. Attends, j'essaie de choper. Ça, c'est pour la bouger. Voilà, on va l'étendre un petit peu quand même. Encore un peu. Maintenant, ça, c'est quoi ça? Non, ça n'a rien à voir ça. Il me construit un escalier dans le vide. Je crois que j'ai un peu fucké le truc. Tu sais que tes lanternes, enfin tes trucs d'attaque, tu peux aussi les déplacer. Hein, si t'en as. Tu peux cliquer sur un briquetron et les faire qui récupèrent. Ouais. En cliquant dessus, il va les récupérer comme quand tu récupères du stuff à l'atelier. Pas faux. Ça fait quand même un deuxième mur assez intéressant. Vu que ma défense plutôt pitoyable, on va dire. D'ailleurs, j'ai pas de bleu de rab, mais c'est bon, ils sont en train d'y travailler. Ouais, bah ça va être l'épisode carrière, je crois, parce que j'arrive pas à le choper. Hein. Ah si, ça y est. Je crois que je le tiens. Est-ce qu'on peut descendre un peu, bof hein. Ouais, ça c'est pas mal déjà. Non, pas trop. Voilà, un truc comme ça, on verra bien. Bon, Papillote n'est pas encore de retour parmi nous, mais bientôt il reviendra. Bientôt, il sera parmi nous. Et il ne sera bientôt. Pas content. Ah, c'est... Papillote 2, le retour. Papillote 2, le retour, tout à fait. Il est mort, valeureusement. Construisez plus de palettes, ouais, oui, on a un peu trop de... Construisez plus de ziggurats. Ah la vache, cette référence. Eh oui. Toi aussi tu veux te remettre au nouveau là? Oui. Il va y passer d'office. Ok, ils ont plus rien à faire visiblement. Très très bien. Alors du coup, vu qu'on a un mur ici, j'aimerais bien faire un pont dans le coin. Ça me ferait vachement plaisir. Ok, comment on fait un pont? Ouais, genre comme ça. Non, visiblement c'est pas comme ça. On reprend. Ah, ils sont sortis de terre, pas loin de chez moi. Ah merde, déjà? Putain, je suis quoi de l'ouest. Ouais. Aux armes. Fais gaffe, t'as un mec qui sort dehors, je sais pas ce qu'il fout. Y'a Frankie là.
Il est un peu à l'ouest. Cours! Cours, Frankie, cours! Run for your lives! Ah, mais il faut vraiment que je fasse un truc pour qu'il descende plus vite au combat parce que c'est tellement loin. Il est ressorti. Non, c'est Millie Ah, qui est c'est pas ressorti. lui. Ouais, ça. Je sais pas ce que tu leur as fait, mais. Est-ce que je peux dire midi, c'est pas l'heure de sortir? Pourquoi vous arrêtez de courir? Courez, les gars, courez! Mais qu'est-ce que vous foutez? Putain! Ils sont relous! Ah tiens, j'ai une toile qui tire pas, parce que c'est parce qu'elle est juste en dessous. Y a Franky qui est au combat là, hein, je te préviens. Et il coince mes chevaliers. Bon, je sais pas pourquoi mes mecs ne veulent pas monter, mais et visiblement, y a un truc qui fuck là. Les mecs ici, je sais pas, ils s'arrêtaient sur la plateforme, ils allaient pas jusqu'aux marches là. Ok, donc reprenons ce putain de pont, voilà. Voilà, faites-moi un pont ici, déjà on gagnera un peu de temps. Ensuite, il me faut cette tâche là. Après ce que je dégage ces trucs-là en fait. Allez, N'empêche, on les petit à virer. petit, on fait quand même pas mal de. On en a déjà tué pas mal, hein, des vagues. 17 vagues, 200 ennemis 20... Ouais, 200 ennemis vaincus. 200 Pas ennemis mal. vaincus, c'est pas mal, ouais. Ah merde, la porte est cassée. Une tâche de réparation, les gars. Et celle-là, elle aura la priorité maximum. Qu'est-ce que vous faites d'amener des types là qui sont à côté du pont à rien foutre? Bravo, c'est du sérieux. Ah, on a plus de quoi faire des cornes, c'est ça que vous me dites? Sacré bon sang. Ramassons des plantes, si c'est comme ça. Ouais, puis alors par contre niveau cailloux, j'avoue, on a beaucoup trop de cailloux, donc on va se calmer un peu. Ici aussi, on va arrêter les cailloux. Ça va bien des minutes. Alors, Un truc qui manque à jeu, c'est un système de devises. Tu vois, que tu puisses vendre ce que tu as en trop, racheter des trucs un peu plus rares. Ah ouais, c'est vrai que ça pourrait être fun. Un marché, quoi. Ouais, ça, un petit. Alors ici, il vous faut quoi? Du soufre? Bah oui, forcément. Hein? S'il n'y a pas de soufre, il n'y a pas de plaisir. Il n'y a pas de souffle, il n'y a pas de plaisir. Alors, du coup, la question que je me pose, c'est est-ce qu'on peut raser ces espèces de troncs, là? Genre, si je dis enlevez-les. Ah, ils peuvent les enlever. Parfait. Je sais pas s'il faut le faire enfin, faut le faire manuellement si je me rappelle bien. Ouais, quand je clique sur contrôle, là, ils peuvent les virer. Et puis, vous allez me couper cette arme, là, qui défigure. Défigure le trajet, voilà, parfait. Et après, on va se faire un escalier. Qu'est-ce qu'il veut pas? Hop. Attention.
le cygne dans toute sa splendeur de construction de bâtiments. Ça déconne pas. Concentration maximale. Ah ouais, là, il faut. C'est pas facile. Et je vous emmerde, accessoirement. Hein, parce que je sais que vous aimez me voir me galérer avec mes constructions à deux ronds, là. Ah, construction à deux ronds, c'est quelque chose. De toute façon, les viewers sont cruels. Allez, c'est parti. Le monde est cruel. Les viewers sont cruels. Le monde est cruel, les viewers sont cruels, tout le monde est cruel. Cette carrière-là, on peut peut-être la virer, hein, c'est bon, voilà, merci. C'est pour ça que c'est un peu le signe noir, c'est le Calimero, mais un c'est peu ça. Plus grand. J'ai pas mis la coquille sur mon avatar, mais l'idée y est, quoi. On va faire un petit edit. Quand on aura vraiment trop le sel, on décédera un petit une coquille. Une petite coquille, ouais. Alors pourquoi cette tâche a la priorité et ils foutent rien dessus? C'est la question que je me pose. Est-ce qu'ils ne peuvent pas? Pourquoi est-ce qu'ils ne pourraient pas? Pas de raison. Ah, peut-être qu'ils peuvent pas accéder à ça. Ah ouais, ça doit, tous les coups ça doit être ça. Ils peuvent pas accéder aux mortaises là, du coup ils peuvent pas construire les poutres, du coup ils peuvent pas faire la suite. Je chante la connerie. Je chante la grosse connerie. Oula. Quoi? Non, non, j'ai appuyé sur tab pour terminer ma construction et ma caméra est partie en sucette. Bon, l'avantage c'est qu'on arrive petit à petit à construire des petites balises de défense. Et ça c'est quand même cool. Donc toi t'as décidé de raser le truc entre nous deux, c'est ça l'idée? Non, je vais l'aplanir. Je vais en faire une grosse plateforme en fait. Ok. Parce que c'est cool et c'est drôle. Et toujours plus de toiles. Ouais, je vais commencer à faire un petit chemin de ronde là qui rejoint nos trucs. Parce que pareil, c'est fun. En avant les gars. Peut-être un de plus. Ici, voilà. Ils font 2 de haut les briquetons. T'as fait des trucs de 2 de haut toi? Quoi? Ouais, ils font 2 de haut. Pour pouvoir passer. Pour les empêcher. Oui, c'est ça. En hauteur, oui. C'est comme tous les corruptons. Comme tout, quoi. Ouais, tout. En fait, ils ont la même morphologie que les corruptrons. Bah, c'est sûr, avec leur nom, ce ne sont que des briquetrons qui ont mal tourné. Exactement. Ah bah voilà, il commence à se pointer. Donc là il devrait pouvoir construire une mortaise, ensuite faire les poutres, construire la deuxième, etc, etc. Ça devrait bien se passer du coup, j'espère. Si s'ils sont intelligents, ce qui reste à prouver, hein. Ne parlons pas trop vite. Bon monsieur Salini Code Error là. Va chercher un truc d'arbalétrier. Tibbs, tu seras archer. Papillote, tu seras archer. Et Danton, tu seras arbalétrier. Voilà. Parce que, why not? Parce que Deus Vult, c'est tout. C'est ça, parce que Deus Vult, exactement. Bon, désolé, j'ai mis un peu de bois partout. Hein, si... Ouais, non, mais c'est pas grave. S'il t'en faut, n'hésite pas. Iron Tron, qu'est-ce que tu fais? Rien, bah tu seras archer. Voilà. Ça t'apprendra. Hop. Hop. Allez, cette fois vous serez à l'heure, j'espère. Alors, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste un... Ouais, mais j'ai déjà 5 types qui sont en train de... Tiens, bah Cosinus, tu seras notre clerc.
Parce que pourquoi pas? Cosinus Leclerc. Moi je trouve que c'est cohérent. Surtout qu'il est jaune, donc du coup il est forcément clair. Exactement, c'est exactement à ça que je pensais. Alors, ils sont apparus là-bas. Et ça commence à faire du peuple, hein, mine de rien. Ah ouais, j'avoue. Puis du coup, mes mecs commencent à lui tirer dessus, mais... Je crois que prochaine étape, je vais faire un espèce de mur entre... pour vraiment qu'il fasse le grand tour et qu'il passe devant moi. Ouais, parce qu'effectivement, là, la grosse saloperie, je pense qu'elle va faire tomber la porte. Ça y est, Elle a fait tomber la porte. la porte est tombée. La porte a cédé. Aux armes, aux armes! Bon, heureusement, il préfère taper sur les. Enfin, heureusement, je sais pas si je peux dire ça, mais. Il y a Kerian qui est bloqué là. Je sais pas ce qu'il fout. Oh putain, Kerian! J'ai eu pareil, le mien il s'est fait. Les. Attends, mais vous pourriez pas prendre des trucs un peu plus utiles que Fais genre. gaffe, t'en as un qui se dirige vers ton. Il y a un gros qui se dirige vers. Non, ça va. Ah, il détruit des tourelles. En avant les gars, Charles Martel avec son. Mais t'as plus de vie Charles Martel? Oh, t'as plus de vie. Non! Ouh! On va se Oh, barrer d'ici! sauvé. Cette damnée a sauvé Charles Martel. C'est une idée de merde! Tout le monde, pointez-vous. On va essayer de le taper, voilà, allez, on est un peu mieux, un peu plus dans l'angle. Hein. Charles Martel, franchement, tu pouvais pas prendre un peu plus efficace, quoi. Non. Ah, au plus lui, au revoir. Ça devient running gag. Damned qui s'envole. Ils ont le temps de revenir, ils sont réexpulsés, quoi, c'est Et beau. les arbalétriers, ils font quoi là? Qu'est-ce que c'est que ce merdier? Ils se déplacent plus lentement. Bah, ils Non. tirent de beaucoup plus loin aussi. Non, mais ils étaient là, ils tiraient pas en fait, tout simplement. C'est plus Ah, simple. d'accord. Ouais, putain, fais gaffe, RC dans le mauvais angle là. Pas grave, je tiens pas à lui. C'est une perte acceptable. Attends, on a reperdu quelqu'un, sérieux quoi. Je crois que c'est Damned qu'on a perdu. Sérieux? Bah, Quelle tristesse. il me semble parce qu'il était censé être chevalier, je ne le vois pas. Faites pas d'efforts, hein. Nous, on vous aide et tout, et puis voilà. On vous donne des armes et incapable de vous en servir, quoi. C'est incroyable. Bon bah méga. Ah non, il est là, Damned. Bah non, mais qui c'est qui est mort? Y a personne qui est mort. Regarde. Regarde près de ton cristal, tu le sauras. Bah justement, y a pas de nom. Y a juste la tête de mort qui est à 1 là, mais. Étrange, étrange. Bon, alors du coup, faut qu'on fasse une porte. Kerian, tu. Voilà, tu te débloques, s'il te plaît, merci. Tu seras bien urbain. Ah, du coup, on en a 6 qui sont prêts à combattre. Ils sont où les autres? Où est-ce qu'ils sont? Eh oh, les gars! Ah, il y a Charles Martel qui est là, là, ok. Donc, toi, tu vas déposer tes trucs là-bas, par exemple. Et les autres, ils se baladent. Ils se baladent. Bon, bah, très bien. Baladez-vous. Pas de problème. On n'est pas aux pièces, hein, c'est pas comme si on avait failli crever. Ici, il faut que j'étende un peu la zone de réparation, on dirait. Ouais. Voilà. Bon, les portes, c'est vraiment trop fragile, par contre. Je pense que ouais, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre cette tâche là. Non, on va faire une nouvelle tâche. Et on va faire un petit mur de genre juste de deux
pour les forcer à faire le tour par devant tes défenses. On va voir si ça marche. J'ai déjà commencé un mur, je sais pas si tu le vois. Ah non, je ne le vois pas. Où as-tu fait un mur? Bah, je suis en train, enfin, ils sont en train de le faire. S'ils décident à se bouger. Voilà, t'as la ribambelle qui va arriver. Ah bah écoute, j'annulerai mon truc au pire. Ah oui, bah ok, bah tu l'as fait genre juste à côté du mien. Bah je vais virer le mien du coup. Hop. Heureusement que j'ai fait une nouvelle tâche, ça va plus vite comme ça. Fais-le pas trop haut, qu'il puisse plus ou moins tirer au-dessus quand même. Ouais, je vais le baisser dehors alors. Je l'ai fait de 3 de haut, ça devrait suffire. Ils peuvent encore tirer au-dessus. Ouais, tu sais quoi, je vais faire de 2. Ça va pas trop se fatiguer et Deux, on ça prend pas suffira trop. pour qu'il passe pas du coup. Allez, on a plein de cailloux. Et il nous manque toujours des ressources à côté. On a des barils explosifs qui ne servent à rien, ça c'est quand même triste quoi. Le problème de la rampe que tu fais là, le souci. La rampe que je fais, quelle rampe? Bah, tu vois, tu fais une petite rampe pour Ah derrière oui, ta porte. ouais. C'est que ils vont directement aller droit vers ton cristal, quoi. Ah oui, je sais, mais c'est aussi que les miens ils vont directement aller là parce que sinon ils se traînent. Hein. Moi j'en ai marre d'avoir des gens qui se traînent, vois-tu. Ça me fatigue. Ça me fatigue, ils sont pas efficaces. Pourquoi mes trucs de défense ils ont des petites braises et pas les tiens? Est-ce que Alors là. ça veut dire quelque chose? Je m'interroge, je m'interroge. Alors ce qu'on pourrait faire, c'est poser une autre porte ici. Ouais, mais non, c'est complètement con. Ce qu'on pourrait faire. Donc déjà, ce qu'on va faire, c'est virer cet escalier-là puisqu'il ne sert plus à rien. Et on va commencer à faire un truc pour que les gens soient plus ou moins obligés de faire le tour. Voilà, par exemple. J'ai envie de dire. Ah bah si, c'est Cosinus qu'on avait perdu. Effectivement, on avait bien perdu quelqu'un. Fait chier. J'ai jamais réussi à dépasser les 10, hein, bordel. Ça va arriver, ça va arriver. Là c'est pareil, il y a une tâche de réparation, mais ils foutent rien. Enfin bon. 30 secondes. Donc on a tous nos tireurs qui sont prêts. Non, on a un archer possible. Et non, même pas. Il est incomplet le kit d'archer. Par contre, ce qui nous manque, hein, clairement, c'est des tourelles de défense. Là, c'est un peu le drame. C'est dommage, il va manquer une brique, je pense, pour ton mur. Il y aura bien quelqu'un qui va se sacrifier pour la cause. La science requiert des sacrifices. Tout à fait. Ils tirent derrière. Ils ont popé dans le truc en bas de chez moi. Du coup,
papillote se prendre la caillasse. Et mes tours, elles ne tirent pas, effectivement. Pourtant, elles sont alimentées. Je sais pas ce qui se passe. Ils ont l'air de planter. Il faudrait que tu essayes de les... de les brancher ailleurs, peut-être. Ouais. C'est marrant, elles ces flèches vraiment... qui tombent. Hein. Oh la vache, quand il commence à passer, c'est le drame, quoi. Les tourelles qui s'excitent. Ah, et ta porte a pas été refaite. Non, ils sont lents, ils sont tellement lents. Pourtant, la tâche est un prioritaire, hein, mais... Ah non, c'est pas la bonne. Lol. Et t'as tout ce qu'il te faut pour... Oh ouais, il manque des planches. Comment ils sont en train de grignoter ton mur? Ouais, bah, je préfère ça plutôt qu'il passe. Hein. Hop, un de moins, deux de moins. Merde, commence à rentrer, c'est quoi? Replie-toi, Tibbs, replie-toi. Putain, il est coincé. Tibbs, tire-toi. C'est bon, sauvé. On va peut-être essayer à éviter que ton mur se fasse. S'effondre. Il en reste un. Allez les voilà. Gars, qu'est-ce que vous faites? Ah non, il en reste un dans le fond. Hein, où ça? Dans le fond. Ah oui, merde. Il va falloir des types de contacts là. Mes gars, tu seras chevalier. Mais qu'est-ce qu'ils foutent, mais... Les rectrons, ils ont vraiment un problème, ils sont tous coincés. Ok, bon. Ça n'a pas l'air de pouvoir gérer ça. Donc, ce que je vais faire. Bon bah, voilà, ça c'est fait. Ok, bon bah, je vous félicite pas beaucoup, c'était pas franchement très très brillant. Mais il y avait quand même de l'idée. Maintenant, faut que je trouve comment faire pour. Alors, est-ce que tu peux me prendre cette balise? Et puis bah après tu la reposes par exemple. Non, je sais pas où il va. Prends-moi cette balise là aussi pendant que tu y es. Comment je peux dire de poser? Pose. Tenir la position, nettoyer, déposer. Dépose le cargo. Oh, putain, mais c'est pas possible. Oh les débiles, il est coincé ce con. Non, il va, il s'en sort. Ah non, c'est bon, il a réussi à se mettre debout. Bon, démerde-toi. J'adore le... vraiment le petit bruit genre. Ah, c'est déprimant quoi, franchement. Il va être coincé parce que tes mecs vont poser la dernière brique. Qu'est-ce que tu fais? Il y a un mur. Sois pas con. Il y a un putain de mur. Pass finding. Attends, le mec il se bloque mais genre sur la brique où il y a deux de haut quoi. C'est ouf. Bon, cette tâche de porte elle est où là? C'est laquelle? Attends, c'est laquelle? C'est celle-là. Mettez-moi la priorité max là les gars, franchement, vous déconnez. Toi là, t'as rien dans les mains. Je sais pas qui t'es, t'es damned. Viens me ramasser ça. Voilà, merci. Ensuite, posez-moi des putains de balistes, de balises, des trucs. C'est... Posez-moi quelque chose, n'importe quoi. C'est ça, mais voilà, mais sortez-vous les doigts, bordel. Pourquoi ils arrivent? Mais j'ai vraiment plus de bois. Mais pourquoi vous faites pas de planches? Faites des planches. Soyez pas cons. Tous les coups, j'ai dû oublier d'appuyer sur tab ou une connerie du genre, du coup, ils font pas de planches. On a des pièges. Bon, il est où le dernier avec sa brique là? Il se ramène.
Voilà, posez-moi quelques pièges devant la porte, tant qu'à faire. Fera pas de mal. Bon, bah du coup, faut qu'on arrête cet épisode-là parce qu'il est beaucoup trop long. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous serez content de continuer de me voir galérer alors qu'à côté, t'as Katox tranquillement construit Ah, la Nouvelle-Égypte. ça se passe bien. Ça se passe bien. En tout cas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Je crois qu'on va arriver à court de noms. On a déjà 15 noms, donc du coup, malheureusement, eh bien, ce sera pour la prochaine fois si vous m'en donnez, mais n'hésitez pas à en donner quand même. Et on se dit à très bientôt. Merci à toutes et à tous. Salut.